La Fédération française de sauvetage et de secourisme qui sont venus assurer la sécurité d'aujourd'hui. Nous présentons, ils viennent de la recevoir, cette moto avec JB qui nous a rejoint. Donc, dans cette moto, bien sûr, tout ce qui est matériel de premier secours et d'oxygénation et matériel aussi cardiaque. Ça veut dire qu'en équipage de deux, et intervenir très très rapidement, plus vite qu'un VSAV, que les véhicules classiques. Regardez, c'est équipé, sirène, avertisseur, lumière. Donc ici, l'oxygénothérapie pour les gens qui font des malaises. Et ici, le matériel cardiaque que vous pouvez trouver aussi dans les stations et dans les villes maintenant en disposition. Matériel que même les néophytes peuvent utiliser. Juste 10 secondes à JB pour donner ses coordonnées, le nom de son association, parce que vous savez que tous ceux qui assurent les sécurités sur les événements, en fait, sont des bénévoles. Heureusement qu'ils sont là, tous ces bénévoles, parce que si votre petit se fait mal, là, ils sont là et vont s'occuper de lui. Donc on est content de les avoir avec nous. Allez, quelques mots, JB. Alors nous sommes l'association savoyarde de sauvetage et de secourisme basée à Chambéry. Donc nous disposons d'une quinzaine de personnes opérationnelles, deux véhicules type ambulance et une moto que nous avons mis en place pour aujourd'hui pratiquement. Nous intervenons sur tout ce qui est manifestation sportive et de la formation de premier secours, PSC1, et pour les diplômes d'équipier pour intervenir sur ce type de manifestation. Voilà. En tout cas, nous remercions l'organisation de pouvoir promouvoir nos matériels et nos personnels. Merci encore. C'est nous qui vous remercions, les gars, puis bon courage, parce que c'est pas facile de monter les assos, de trouver des bénévoles. Donc on peut l'applaudir, oui, aussi. Eh bien voilà, on a terminé cette présentation. On remercie tous les partenaires.